Nous sommes ici aujourd'hui pour Afrin. La gouvernement turc il fait invasion à Syrie avec la djihadiste islamique radicale islamique organisation. La Turquie c'est un partenaire du NATO. La Turquie c'est un partenaire du United Nations. Et jusqu'à maintenant, il dit rien du tout, il fait rien du tout la nation. Et pour ça, la Kurde qui vient aujourd'hui ici, le troisième jour nous sommes ici et nous faire start à grève. Avec la politicienne des Turcs qui vient ici aujourd'hui, la nom nous avons sur la place, j'ai donné toi. Et nous avons ça, nous start à grève, jusqu'à la nation qui changeait ou dire quelque chose à Turquie, à tout le monde. Oui, grave de la fin, ils start. Aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a trois jours avant. Vous avez commencé ça, c'est le troisième jour. Vous étiez ici? Oui. La personne que nous avons hier la place par jour, à nous c'est très froid. Ah, et nous avons une place pour la personne et qui vient là. Et nous avons un docteur. D'accord. Un docteur qui gouvernante, qui est ici. Il fait toujours un contrôle. La montre, la santé, et il y a mangé pas. Mais tu as dit tu fais la grève et tu pas manger. Et nous avons aussi tout le monde, un docteur ici, qui fait faire la contrôle aussi. Ça fait combien de jours? Trois jours? Troisième jour maintenant. Vous faites la grève vous aussi? Non, j'ai travaillé. J'ai fait pour la sécurité, pour l'information. Combien de personnes aussi qui font la grève? Maintenant, nous avons 22 personnes. 22 personnes. 22 personnes. Vous êtes des Kurdes? Je suis aussi des Kurdes de Turquie. Je viens, ma famille c'est en Turquie, où je viens aussi des Kurdes de Turquie. Nous avons Kurdes à quatre parts. Iran, Irak, Syrie et Turquie. Oui. Et vous soutenez les Kurdes de Syrie? Oui, de Syrie. Pour nous faire protester maintenant pour les Kurdes de Syrie. Est-ce que vous avez eu des interlocuteurs de l'ONU? Est-ce que des gens de l'ONU sont venus vous parler? Oui, nous avons le contact aussi. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Hier, il fait la nation, hier, il fait la documentation. Il dit à Turquie, c'est human rights. C'est pas marche, c'est pas bien. Il y a beaucoup de personnes en prison, mais il n'y a dit rien du tout à Afrin. Et il n'y a pas faire seulement la nation qu'on ait changé quelque chose. C'est pas seulement un pays, c'est tout le pays qu'il y a dans la nation. Et maintenant, nous avons beaucoup de réfugiés. La monte 100,000 of people, français, okay. Anglais. Nous voulons faire du pain, de manger, de boire, de l'eau. Et de la montre, il n'y a rien du tout. Pour Afrin. La Turquie qui fermait tout à Afrin. Oui, a fermé. Oui. Et rien du tout qu'on est donné dedans. Ah, d'accord. Et pour ça, nous sommes ici, juste la nation qui veut faire quelque chose, dire quelque chose. Le gouvernement syrien, tu aussi rien. Jusque maintenant. Il dit, c'est pas bien, la Turquie, vas-y à maison. Oui. Mais il dit, seulement un diplomatique, il dit quelque chose. En pratique, il fait rien. Il y a quatre, à Suisse, à France, à Suisse, à Allemagne, il y a aussi. Mais à Kurde, Irak, il y a ici, de Iran, Syrie et Turc. Mais qui sont à l'étranger, ils habitent à l'étranger, en Europe. Oui, à Europe. En Allemagne, il y a politique problème, beaucoup de monde ne connaît vas-y pas la Turquie ou le pays. Il y a politique problème aussi. La personne qui fait la grève, il y a la politicienne à Turquie, il ne connaît pas rester à Turquie, il vient ici. Ah d'accord, il y a des politiciens. Prison en Europe, la deux. Après, il y a des politiciens turcs qui font la grève de faim. Oui, Kurdes et Turcs nous avons ici, qui font la grève. Aussi. Très bien. Et nous sommes ici pas seulement pour les Kurdes, nous sommes ici pour tout le monde. Il y a du human rights.